Je croyais que j'allais devoir te traîner hors de ta chambre. Elle est désolée. Elle ne peut pas parler. Parle à ta grand-mère, s'il te plaît. Désolée de t'avoir fait attendre. Oui, et il y a de quoi, parce que l'essence pour le jet coûte très cher. Tu le découvriras. Pourquoi es-tu si triste? J'ai perdu un ami. Comment? Il s'est fait tuer. Oh, c'est affreux. Par un agent de sécurité. Oh, bah ça devait être un homme horrible. Je me sens pas bien. Je peux rentrer à la maison de l'enfer? La maison de l'enfer? C'est comme ça que tu l'appelles? Est-ce que je peux rentrer? Non, tu vas rester là. Ma chérie, tu devrais sourire. Toute la salle te regarde, y compris la presse. Tu n'as pas entendu ta grand-mère. Tu sais, par moments, on doit sourire même si on souffre intérieurement. Nous sommes des personnes qui devons apprendre à gérer nos émotions. Tu dois toujours sourire, même en public. Jason? Ouais? Jeune homme, tu es vraiment très beau. Merci, grand-mère. Referme ton pantalon. Comment ça? Ta braguette est grande ouverte sous la table. Non, elle est fermée. Ne contredis pas ta grand-mère, Jason. C'est ce que je pensais. Jason. Est-ce que ça t'excite? Non. Non, ne mens surtout pas. Ouais, ça m'arrive. C'est un pervers. T'es une traînée. Arrêtez tout de suite, tous les deux. Ah, ça va prendre plus de temps que ce que je pensais. Je devrais peut-être rester quelques jours de plus. Oh, non, ce ne sera pas nécessaire. Ça ne me dérange pas de rester pour la fin de mes vacances. Il n'en est pas question, maman. Ça va aller, vraiment. Il y avait une école où votre mère est allée. Est-ce qu'elle vous en a parlé? C'était dans la partie sud de l'Espagne. De magnifiques paysages. Tu n'es pas d'accord avec moi, ma chérie? Si. Bref, le travail qu'elle devait effectuer pour le gîte et le couvert était vraiment horrible. Mais elle s'en est sortie. Et quand elle est revenue, c'était une jeune fille totalement différente. Vous aimeriez visiter cet endroit? Répondez à votre grand-mère. Non. N'importe quel endroit est mieux qu'ici. Tu crois ça? Peut-être qu'elle devrait y faire un tour. Écoutez, on a assez blablaté. Tous les deux, vous allez suivre une thérapie immédiatement. Et je vais appeler le docteur Rollins pour lui demander de venir aussi vite que possible. Mais attends, ce ne sera pas nécessaire. Peut-être que tu devrais le voir aussi. Je ne pense vraiment pas que ce soit très utile. Pour toi ou pour eux? Pour aucun d'entre nous. Tu en es sûr? Oui. Eh bien, j'attendrai un rapport complet à propos de tout ça de ta part d'ici demain. Bien, mère, tu l'auras. On peut y aller? Avec plaisir. Ils partent. Bien reçu. Monsieur, excusez-moi. Monsieur? Je vais entrer, monsieur.
Monsieur ? Monsieur, je vais entrer. Monsieur ! Monsieur le Président ! Monsieur ! Vous allez bien ? Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi tout ça ? Monsieur le Président, écoutez-moi, relevez-vous. Allez, je vais vous emmener sous la douche. On y va. Allez, debout, 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 debout. Ouais, c'est bien. Allez, avancez, venez avec moi. Allez, avancez. Qu'est-ce que vous avez pris, monsieur ? Qu'est-ce que vous avez pris ? Elle avait toujours de l'ecstasy. Combien ? Deux, je crois. D'accord. Écoutez-moi, regardez-moi. Il faut que vous alliez là-dessous et que vous vous nettoyiez tout le corps. Allez, soit vous le faites, soit je le ferai pour vous. Faites-le, allez. Oh, monsieur ! Monsieur le Président ! Et s'il vous plaît, allez, venez ! Kyle. Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît ! Vous devez m'aider, s'il vous plaît ! Allez là-dessous ! Allez, allez ! Regardez-moi ! Elle est morte, d'accord ? Monsieur le Président, vous devez vous ressaisir, vous devez aller là-bas et enlever tout le sang qu'il y a sur vous ! Allez, s'il vous plaît ! Faut vous laver ! Lavez-vous, d'accord ? Restez ici !